Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire un remaillage ou un grafting. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technique? Il s'agit en fait simplement d'assembler et de reconstituer en fait un maillage à partir de deux rangs de mailles pour obtenir en fait un résultat qui est complètement invisible et où on pourrait supposer que le tricot n'ait jamais été interrompu. Alors, pour ce faire, vous avez besoin de couper le fil. Vous aurez besoin également d'une aiguille à laine. Et pour couper le fil, vous aurez besoin seulement de 2 à 3 fois la largeur du remaillage. Donc là, on va dire une fois, deux fois et trois fois. Alors, il s'agit d'une toute petite zone en fait à remailler et nous avons tout de même une longueur d'aiguille. Donc là, on va faire une petite entorse et on va aller un petit peu plus loin juste pour avoir en fait un peu plus de confort à tourner et à manipuler votre aiguille à laine. Donc vous coupez le fil, vous passez dans l'aiguille à laine et nous allons pouvoir commencer la technique. Vous allez voir que la technique se répète tout le temps sur 4 mailles, sur 2 mailles de l'aiguille qui est vers vous et sur les 2 mailles de l'aiguille la plus éloignée, à l'exception des 2 premières mailles. Ces 2 premières mailles, c'est votre point de départ et donc elles vont être travaillées un petit peu différemment. Pour commencer la technique, vous allez travailler donc les 2 premières mailles ainsi. Vous piquez la maille sur l'aiguille numéro 1 comme une maille envers. Vous tirez le fil et ensuite la maille numéro 1 de l'aiguille 2, vous la piquez comme une maille en droit. Vous voilà alors prêt à débuter le remaillage. On va répéter toujours cette étape là. Je pique la maille comme une maille en droit, je la fais tomber. Je pique la maille numéro 2 comme une maille envers. Je la laisse en place. Passons maintenant à l'aiguille numéro 2. Je passe mon aiguille à laine comme une maille dans la maille comme une maille envers. Je la fais tomber. Et ensuite, je passe l'aiguille à laine dans le sens d'une maille en droit. Et vous tirez le fil. Et nous allons travailler ainsi jusqu'aux 2 dernières mailles. Nous arrivons alors à la dernière répétition. Je pique dans la maille numéro 1 comme dans une maille en droit, je la fais tomber. Je pique dans la maille envers, dans la maille numéro 2 pardon, comme dans une maille envers, je la laisse en place. Je pique dans la maille numéro 3 comme dans une maille envers, je la fais tomber. Je pique dans la maille numéro 1 comme dans une maille en droit. Alors sans perdre le fil, c'est tout de même mieux. Voilà. Et ensuite, vous allez tout simplement travailler les 2 dernières mailles. Maille en droit, vous la faites tomber. Maille envers, vous la faites tomber. Votre travail est totalement terminé. Alors, j'ai oublié de préciser qu'évidemment, ce travail de remaillage marche quand vous avez... deux morceaux de tissu tricoté envers contre envers avec donc à chaque fois l'endroit en face extérieure et sur un nombre de mailles équivalent en fait sur les 2 aiguilles hein, évidemment puisqu'on travaille en même temps, on avance en même temps. Donc ensuite quand vous avez complètement terminé, vous pouvez alors rentrer votre fil vers l'intérieur. Hop, je ferai après, je rentrerai mes fils après, mais voilà le rendu.